Salut YouTube, c'est énorme. On va tenter Delirium avec Azazel. Donc il va falloir aller vite pour faire Hush, pour avoir garantie, pour avoir l'accès à Delirium garantie. Et pour ça, il va falloir avoir un bon build et surtout si possible de la range, parce que le problème d'Azazel c'est qu'il a pas de range. Donc Delirium avec lui c'est compliqué. Parce que t'avais pas encore Death Touch, donc c'était soit Boss Rush, soit Hush au final. Ouais, je pense aussi. Oh là là! Voilà, sale bail. Heureusement qu'on a Azazel, hein, parce que Super Indie première salle, c'est un peu l'ennui. Forever Alone. Bon, au moins on a déjà un item pour commencer. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pas pris le dégât, mais d'accord. L'avantage d'Azazel, hein, c'est qu'il vole, il a le Brimstone, il a un mini Brimstone dès le début. Donc, les salles normales, ce sera pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être les boss. Hop. Hop. On va quand même aller prendre l'item, on n'est pas si pressé que ça. Je rappelle, un Delirium, c'est 30 minutes pour le chapitre 8. Enfin, non, chapitre 4, donc 8ème étage. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui! On peut prendre l'appel pour débloquer Forgotten. Ah, Isaac! Oh, vraiment? Ça me touche, ça. Bon, on va s'en passer. Hein. Une fois, ça m'a suffi. Paf, 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 paf. C'est quoi le lock de Forgotten? Alors, je pensais d'aller voir les VOD pour voir le fun que c'était. Mais c'est à moi de te faire chier. En fait, le principe c'est de battre le premier boss en moins d'une minute. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. À ce moment-là, t'entends Mom. Ah, Isaac! Faut que tu reviennes à la première salle du début, ici. Là, tu vois, il y a une ombre un peu. Et en fait, si je mets une bombe, ça va faire tomber un bout de pelle. Quand tu ramasses ce bout de pelle, il y a les pieds de maman qui t'attaquent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf si tu l'actives, ça le désactive pour la salle. Il faut que tu ailles jusqu'au boss rush comme ça pour récupérer la deuxième moitié de pelle. Ça te fait la pelle au complet. Et là, il faut que tu ailles jusqu'à la Dark Room pour creuser le sol et unlock Forgotten. Voilà. Oh là, bonjour. Donc, c'était l'enfer. J'ai détesté. Et en fait, non, en fait, le truc, c'est que j'aurais pu le faire très rapidement premier first try. Mais j'ai trop pris la confiance. En fait, j'avais un bon build. Et j'ai trop pris la confiance. IPK qu'avec Azazel. Je sais pas trop ce que j'en. Ah oui. Du coup, c'est quoi le bail? C'est que je fais 8 milliards, c'est ça? Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Par contre, les boss ils vont fondre là, non? C'est-à-dire que tant que je charge, je peux tirer des boules. Ok. Alors là, le boss. Ah oui! Oui, le boss il prend pareil. Ok, on va prendre ça, on va prendre ça. On va prendre l'altar, je pense. On va prendre l'altar, ouais. On va l'activer, perdre notre mouche, avoir War of Babylon. Et on se casse. Et on se casse encore. Pourquoi je tire des pickaxes des fois? Bah je sais pas. En fait je les tire lentement parce que j'ai 99 de range, enfin de tir. Et je les tire ouais, quand je suis en train de... Oh putain mais du coup c'est vrai que j'ai le crayon, donc des fois on tire 15 pickaxes. Enfin toutes les 15 larmes on va tirer une gerbée d'pickaxes. Et j'ai plus la map. Alors ça va être une run un petit peu, spéciale. Alors du coup les araignées ouais, elles sont craquées là. Hein. Merde. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est un truc, c'est un cubus en fait qu'il faudrait. Succubus. Je suis vraiment un connard par contre de prendre tous ces dégâts là. Le truc, c'est que ça va pas très vite quoi. Allez, explose là. Non. Ok, l'araignée a fait le taf. Non, ça c'est nul. Le star, c'est mieux que ce que j'ai. Vas-y, explose. On s'en fout. Ouais, voilà, ça c'était le.
Le truc qui me dérangeait un peu. Non mais là... Je peux jouer au jeu? Ah bah super. Bah j'ai pas pris la sauce en tout cas, c'est nice. Mais sans déconner, putain. Faut jamais face un mur en fait. Ok, pas face un mur. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Ah, c'était une mauvaise idée. Hein. Ouais, allez hop, ça m'énerve. C'est une mauvaise idée. On recommence. Ah bah voilà, Gnodlif. Ah non, ça m'a saoulé. Je pense que c'était une idée de merde. Bah ça faisait beaucoup de dégâts, mais mais il aurait fallu qu'il ne tire pas l'IPK en plus, quoi. L'IPK en plus, c'était beaucoup trop chiant. Alors il aurait fallu que je joue que avec IPK. Mais vu que j'avais 99 de range, je savais pas quand est-ce que j'allais tirer. Donc c'était chiant. On est sur un XL, on a eu la Gnodlif, la feuille mâchée. Boombo. Putain, Boombo, faudra qu'on finisse Boombo un jour. Donc je rappelle, hein, la Gnodlif, quand on est immobile, on ne prend pas de dégâts. En ce sens, on statue comme dans Mario 3. Et du coup, il suffit qu'on ait un familier qui fasse des dégâts pour que la run soit gagnée absolument en toutes circonstances. À condition d'avoir du temps avec nous. Donc voilà, je vous préviens, la fin de la run risque d'être un peu longue. Je vais pas prévenir tout de suite parce que voilà, c'est notre seul familier, c'est Little Wound. Et ben on fera Delirium avec Little Wound. Ça prend 10 000 années, mais voilà. Alors faut que Boombo il développe par contre. Faut que Boombo il développe. Il m'a rien donné, je déteste. En vrai, t'as déjà Boombo. Oui, j'ai déjà Boombo. Si je passe Boombo level 3, level 4. Bah même à partir du level 2, il commence à faire des dégâts, Boombo. Paf, de l'argent pour Boombo. Mais avant ça, quoi qu'il en soit, il faut arriver à Delirium. Donc il faut faire Hush. Enfin, pas forcément, mais c'est quand même le mieux. C'est le plus safe, quoi. The Haunt. On mettra la petite bombe après pour le rocher plus... Ah bah dommage, j'ai pas parti du bon côté. Le mien est mieux. La ceinture pour aller plus vite. Ok. Pinky pour augmenter notre cadence, ça c'est sympa aussi. On est directement contre Krampus, c'est pas très gentil. Mais il est mort. Et le Lump of Coal pour augmenter nos dégâts selon notre range. Pas très fort avec Azazel également. Après, l'autre possibilité, c'est qu'on a un build suffisamment bien pour faire Delirium sans se faire chier avec cette méthode. Ça, ce serait sympathique. Et voilà, si jamais vraiment on trouve. Si jamais vraiment on a rien, on fera comme ça. Non merde, putain, je voulais la laisser. Pardon, Boombo, je suis désolé. Technologie. Oui, Akazazel, c'est bien ça. Oh putain. Ah mais non, c'est Ludovico. Bah, j'aime bien. Ah bah voilà, on voulait de la range. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien ce build. Alors, par contre, il y a une pièce là. Hein. T'as piqué tout l'argent de Boombo, je suis vraiment un salaud. C'est un peu fort. La synergie, c'est avec la feuille. Ah, bah oui, là, clairement, la synergie est totale. Hein.
La synergie est totale. On devrait moins se faire chier. Allez, Bumbo. Mange. Paf, paf. Parfait. C'est bon, il est level 4 là. Attendez, pour vérifier si c'est bien level 4, je vais. J'allais dire, je vais écrire un message dans le chat et vérifier mon badge. Badge Bumbo, mais. Je trouve la flemme. On en est peut-être pas là. Je suis convaincu que c'est le level 4. On va lui laisser tout notre argent. Paf, Bumbo qui met des bombes. Ah voilà, c'est bon en fait, c'est ça, hein. Ça la strat. Un peu de dégâts en plus, pourquoi pas. La goutte, j'ai moins de cœur. Attendez, attendez, j'ai des cœurs ou pas? Non, non, on va pas faire le fou. On se casse. Ah, oh, j'avais l'heure ce qu'il fallait, j'avais l'heure ce qu'il fallait. Tant pis. Allez, mange. C'est bien. Abel, bah voilà, la reine est gagnée encore. Là, y'a rien. Lust. Bah, t'es mort en poule. Prends la pièce, Bumbo. Balls of Steel. Il me drop un truc, mais il me drop rien. Chaos. Oh, bah oui. Ah, bah là, par contre, Bumbo, je veux ton gold. Hein. Là, je veux 13 gold. Ah, j'aurais dû attendre d'avoir 15 pièces avant de laisser manger Bumbo en vrai. Merde, j'ai réussi à prendre un dégât solide. Ok, oublie pas 30 minutes. Oui, oui, t'inquiète. Mais là, ça va en vrai, ça va super vite. Hein. Merci du rappel, mais. Je devrais le faire. Non, il m'a tout pris, ce bâtard. Il m'a filé un cœur doré. Bah, je vais le perdre en fait, non? Fais-moi un dégât, merci. On va aller chercher tous les golds du monde. Non, mais on prend juste. On prend juste. Juste Chaos. Promis. Et un cœur bleu. Et le câble, voilà. Le câble pour avoir de l'électricité avec nos familiers. Et les pulls aussi, voilà, parfait. Aérofeinte aussi, voilà, voilà, on prend juste ça. Et ensuite on se casse. En vrai, là c'est. Ça doit le faire, non? Ah oui, du coup, vu que j'ai l'Hump of Crawl, plus. Qu'est-ce qu'il me donne lui? Bomb back, d'accord. Plus je m'éloigne, plus il est puissant, vu que j'ai l'Hump of Crawl. Du coup, je vais me mettre là. Bah plus, vous savez pas vraiment le temps d'exister, désolé. Allez, speedrun là. Prends ça toi. Tente-moi un truc. Une bombe, d'accord. C'est pas terrible, mais. Hop 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 hop, allez, ça le gage. Euthanasie. Je pense pas que ça fonctionne avec, avec cette horreur là. Mais bon. Ah, en plus un XL, oh là là, mais c'est des vacances. Ok, ok. Ok. Oh, il prend la sauce, hein. Il prend clairement la sauce. Merde. Faut pas que j'oublie non plus de jouer au jeu. Est-ce qu'on fait quand même, est-ce qu'on va quand même chercher les deux items? Ou pas? Bon, on a Chaos, en vrai, ce serait con de pas aller les chercher. Mama Mega, d'accord. Bon, allez, on va les chercher. Vu que c'est un XL, ça va quoi. Ah si, ça marche, euthanasie. Incroyable. On a vu, ça a fait une explosion de larmes à un moment. Paf, Bumbo, je te pique toutes tes pièces. Les papiers du divorce. La cadence de tir et le trinket machin, d'accord. Peu importe. Bumbo qui pose ses bombes là. Giga vénère. Ok.
On va quand même essayer de récupérer 15 gold pour le shop de Womb. Enfin, pour le shop de Blue Womb. Hop, ça va pouvoir acheter un item si jamais il y a un item intéressant. Meurs avant de sauter, parfait. Et de bombe, il va être où l'item? Voilà. Ok. Pour remplir la machine. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Percano. Merde! Ouais, je précure sur ce tour pour la blague. Ah bah c'est grid, super. Les soldes, bah en plus c'est les soldes. Pour acheter deux items, ça veut dire. S'il y a deux items dans le shop, il faut les acheter. Ok. Bon, l'autre item c'est où? C'est où, c'est quand, qu'est-ce qui se passe, comment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas là? Ah si, ça peut être là. Merde, enfin pas là, ici. Non, ça peut pas être là. Ah si, ça peut encore être là. Oui, c'est là, en dessous. Paf. Je reroll. Ouf. Non, on peut avoir mieux, on peut avoir mieux. Oh, allez, on peut avoir mieux que ça. Me fais pas regretter Ceremonial Robes. Ah, je crois que je vais regretter Ceremonial Robes. Hein. Ah bah. Incroyable. What are the odds? Ah, le jeu insiste. Hein. Le jeu il insiste carrément. Mais si, je t'assure, tu vas le prendre. Tu le veux pas? Bah, je te le redonne. Alors? On est deg? En vrai, ça va, c'est un bon item. Je bouge pas. Ah, ouais, si, en vrai, je vais être obligé de bouger. Je crois que je vais être obligé de bouger. Oh, si, regardez à gauche. Paf, Bumbo qui met des bombes, incroyable. Bumbo qui met des troll bombes. Ça c'est vraiment nice, hein. Merci Bumbo. Tu nous aides là, hein. Tu nous aides vachement. Paf. C'est gagné. On va prendre le Polaroid. Le boss rush, est-ce qu'on se le fait? Il y a le Saint Oil. Encore les 10 bombes. Le Lucky Foot. Et la mouche. Bon, on s'en fout, on va pas faire le boss rush. On pourrait faire pour le Saint Oil, mais bon. On va dire que j'ai pas que ça à faire. Oh, Tyrandiel, merci qui a ajouté des skins League of Legends. Bah, on les prendra à la fin du stream. Donc voilà, si vous voulez gagner. Si vous voulez avoir une chance de gagner un skin League of Legends, restez jusqu'à la fin. Paf. Au secours. Paf, parfait. Est-ce que je claquerai pas? Non, on le mettra à Void, la même méga. Histoire de gagner un peu de temps. Hop. Oh là là, il y a de quoi faire là. Hop, on nettoie. Le pire, c'est qu'à la base, je pensais que c'était technologie cet item. Les skins se ressemblent un peu. Je pensais que c'était technologie. Ben, finalement, j'ai bien fait de prendre. Enfin, j'ai bien fait de me tromper parce qu'en vrai, si j'avais tilté que c'était Ludovico, je sais pas s'il l'aurait pris. Merde. Oui, d'accord. Enfin, si, en vrai, je me serais renseigné et j'aurais réalisé que c'était fort, donc si, je l'aurais sûrement pris. Mais instinctivement, Ludovico, t'as peut-être pas forcément envie de le prendre. Enfin, moi, je l'aime pas. Putain, je prends un dégât là. Moi, je sais que je l'aime pas, Ludovico, mais bon, après, c'est pas. C'est comme Marthe, hein, qu'on nous a proposé dans la reine d'avant. C'est pas un mauvais item. C'est juste que c'est un peu chiant à jouer, moi j'aime pas trop. Alors je sais qu'il y a un bail où je pourrais jouer à la souris. Enfin déplacer le cerceau à la souris là.
sur PC. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, une bombe de Bumbo, bah merci. Mais je sais pas comment faire, faut modifier un truc dans les fichiers de config, je crois, du jeu. Faire ça. Ok. Non, bah là par contre, Shaker, par pitié, respecte-toi. Non mais, oh non, oh non. Non, 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 quand même. Parce qu'après si... Non mais attendez, au secours là, parce que là je fais n'importe comment. Ça va commencer à se voir. Enfin, après on a toujours la strat de rien faire et attendre que le boss se suicide sur notre cerceau, mais... Mais si on peut éviter d'en arriver là, pour le bien de tous... Alors Micron, ça va, pas la peine de... Hein, je mets le couteau dans la plaie là. Un HP up, bah c'est super, je peux prendre un débit de vie. Ah bah y'en a pas. Non mais je suis peut-être mort sur un feu, mais l'objectif de la run c'était le boss rush. Hein. Moi je l'ai fait le boss rush, hein. Je vois aucun problème. Ok, bah donc ça fait beaucoup. C'est bon, je suis full life. Merde. Non mais j'avoue que cette mort sur le feu elle était vraiment ridicule. J'avoue que cette mort sur le feu, c'était vraiment pas terrible. Mais il était tout petit en fait. En fait, il était à moitié éteint, du coup, je l'ai pas vu. Je cherche des excuses de sac. Hein. En vrai, je vais aller prendre l'argent. On va mettre dans la machine. Ouais. Bah, j'imagine que, point de vue spectateur, ça devait être marrant. Oui. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Point de vue streamer, c'était... Ouais. J'avais envie de tout arrêter, hein. Clairement j'ai envie de d'effacer la save là. Viens voir où je suis marqué. Trop tard. Ah merde, c'est pas terminé. Encore. Mais il y en a combien? Le rocher il est là. Deux clés, bon c'est bien, j'avais besoin de clés de toute façon. Bon, enfin non, en vrai, j'avais le compte mais... Là, je vais mettre... On n'a jamais trop de clés. Merde. Ah voilà, c'est énorme. Hop. Allez, let's go. Putain, on est arrivé là en 15 minutes. Très efficace. Très efficace, Ludovico. Ok. Alors, petit cricket cell là. C'est la course contre la montre pour avoir les pièces en Bumbo. Attends, prends des trucs au moins. Tu te fous de ma gueule. Je le déteste. Clairement, je le déteste. La blanque card. La blanque card, c'est pas le genre d'item que je m'attendais à trouver. Ah bah super. Super la machine. Ça valait le coup. Le Dead Cat. Eh bah c'est gratuit. Le cas qui nous met un cœur rouge et qui nous donne 9 vies, mais j'avais déjà un cœur rouge. Non mais là si je deviens Guppy par contre ça va devenir indécent. Si je deviens Guppy ça va devenir clairement indécent. Et c'est probable que je le devienne en plus. Hein, avec Chaos et tous les boss qu'on va faire à... Tous les boss qu'on va faire à Void. Il y a grave moyen. Bon allez, on va se faire rush vite fait. D'autre côté on a pris, hein, c'était quoi? Ouais, c'était, oui, c'était deux fois Guppy, ok. Ça marche. Et la blanque card, on s'en fout. Ouais, ça marche. Bon allez. De toute façon, en fait, je peux pas vraiment faire grand chose de plus que ça, moi. Hein. Enfin, je veux dire, je disais ça en rigolant qu'on allait rester là à rien faire, à attendre que le boss meure sur notre truc, mais... Ah, si, je peux viser un peu. Enfin, je veux dire... Une fois que j'ai mis le cerceau sur lui comme ça, je vais pas faire grand chose de plus qu'attendre quoi. Approche Bumbo du boss, c'est vrai. Oh, c'est bon, il est au contact Bumbo. Ah, par contre, ça va peut-être être long. J'ai l'impression que ça va être un peu long, mais je peux pas vraiment faire grand chose de plus. Si, je peux m'éloigner parce que j'ai de l'Hump of Call. Attends, dès qu'il a fini ce pattern là, voilà.
Mais non, parce que l'éloigner, ça augmente son diamètre, mais ça fait pas plus de dégâts, sinon. Je sais pas. Je sais pas si ça fait plus de dégâts ou ça augmente juste son diamètre. Bon bah voilà, hein. Paf, les bombes de Bumbo. On fait une FAQ. Ah voilà, hein, moi je peux pas. Désolé, hein. Désolé pour ce contenu. Pas représentatif, mais bon, voilà. En plus, j'ai terminé le stream grave à l'heure là, putain, c'est 9h, c'est 9h05. Nice. Donc, le Cinaron sera 9h30. Petit stream de 3h là. Parfait. Parfait, parfait. Allez, Bumbo, qui met la bombe sur l'invue du boss. Parfait, il en remet une. Paf! Oh, le timing. Bumbo, quel boss. Bon, finalement, ça aura pas été si long que ça. Hein. Regardez, voilà. Ah, là, par contre, il va falloir que je déplace le truc. Mais je vais pas pouvoir sortir. C'est gênant. Il veut pas aller ailleurs? Tant pis. J'ai préféré prendre le dégât pour le bien-être du stream. Ah, c'est beau mais c'est long. De toute façon j'ai un cœur bleu en bas je crois dans le shop. Ou dans la salle, je sais plus. Ah non, dans la salle d'item. Bah, c'est énorme hein. C'est vraiment énorme en tout cas. Est-ce qu'on laisse le final kill à Bumbo? Oh, la bombe de Bumbo. Oh là là, incroyable. Incroyable. On va aller chercher le cœur bleu. Et on va se diriger chez Delirium. On a pas eu de petits trucs à acheter. On pourrait gambler tout notre argent. Je sais pas que ça va faire. Voilà, parfait. On a verp une Balls of Steel. Incroyable. Paf. Bon, là, l'étage va être expéditif, hein, vu qu'on a. On a même un méga. Les éventuels survivants, on se les fait avec. On va pas ramasser tous les loot. Hein. Désolé à tous ceux qui ont des OCD là, mais. J'ai aucune intention qu'on ramasse tous les loot dans chaque salle. Une bombe dorée. D'accord. Paf. Boys, 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 boys. Okay. Ah, c'est là il faut agir. Faut jouer un peu au jeu dans ce sol. The Emperor. Oh non, on va fermer les boss un peu d'abord. Si on peut devenir Guppy. Si on peut devenir Guppy, moi je dis pas non. D'accord. On peut avoir un boss là ou vraiment. Parce que normalement il y en a quand même un paquet à cet étage des boss. Voilà, il y en a un là. Ça peut être Delirium celui-là, donc on va pas le faire tout de suite. Ah merde. Oh bah bravo. Oh bah. Il réussit à prendre un dégât sur une araignée. C'est où que ça se passe? Ok, ciel là-bas. On passe par là, on va pas faire le tour. Voilà, secret. Ah, mais il y a de l'argent partout là. Bon, je pourrais laisser Bumbo le ramasser, mais je suis pressé. On aurait quasiment plus sub 20 hein, si je m'étais dépêché un peu plus. Non, là, ce qui serait bien, c'est des items de dégâts en fait. Hein, parce que sinon, ça va vraiment être super long. Hein. Si on n'a pas d'items de dégâts, le boss fight va être super long. Hein. Allez! Petit coffre. Full, ça passe pas. Pourquoi je fais cette salle alors qu'il y avait rien? Petit lock-up. Oh putain, il m'a bouffé mon lock-up, le salaud. Le saligo. La roue de la fortune. Non mais, le bol of steel, moi. Merci. Ça existe encore, la roue de la fortune, en jeu télé? C'est longtemps que je n'ai pas entendu parler. Je sais que c'est un peu... Ah si, j'allais dire sort propos, mais non, parce qu'on a eu la carte roue de la fortune. Pas si hors de propos que ça, mais voilà, c'est juste une réflexion.
Paf. Une clé, c'est d'accord. Paf. Deuxième croix. Bon, allez, d'accord. Ah! Bah, super. Ouais, voilà, mais là, le problème, c'est que si je bouge. Faut que je mette le rond sur moi. Attends, ouais. Vas-y, on fait ça. Et je me mets au milieu ou sur le côté? Qu'est-ce qui est le mieux? Merde. Peut-être au milieu, non? Ça va prendre 14 années. Il est où Bumbo là? Oh, ça va être long. Ça va être long, hein. Désolé d'avance. Hein. Mais bon, au moins on va le faire. Voilà, regardez là, il prend des dégâts. Il y a Bumbo qui fait sa vie, il fait de son mieux. En train de faire quelques pauses pipi. Ah bah oui, là clairement, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez revenir, c'est la fin de la run. Mais le truc c'est que, là, moi je veux bien jouer, mais en vrai je serai jamais plus efficace que ça. Parce que si je me déplace, ouais, je peux essayer de le suivre du mouvement, mais là, voilà, là, il est là, il se le prend tout seul comme un grand, je vais pas prendre des risques. Enfin, je pourrais, mais... Si, là, ouais, là, je pourrais essayer de le mettre sur lui. Mais là, je sais pas où il est. De toute façon, il va toujours venir sur moi. Ah, si j'avais été Guppy, ça aurait été mieux. Hein. Ça faudrait qu'on me mette dans une autre salle de boss. On ira peut-être farmer Guppy à la fin pour voir un peu l'effet que ça fait. Ouais. Ouais, ça va être long. Désolé. Hein. C'est un truc, ça va souffrir. Hein. Ah, mais je suis au milieu. Qui c'est qui m'a dégagé? Avec Guppy, il a eu la masse de mouche, ouais. Ça aurait été bien. Je me fais dégager du milieu. Ouais, mais du coup, c'est chiant. Attendez. Y'a pas moyen que ce soit moins chiant. Oh bâtard! Putain, il me manquait une demi-seconde pour avoir la vie. Ah mais c'est lui qui me déplace. Je sais toujours pas si le mieux c'est d'être dans le coin ou en plein milieu. Hein. Ah oui, il m'attire. Bah, y'a Bumbo qui fait un peu de dégâts quand même aussi. Hein. Le truc c'est quoi? Voilà, moi je veux bien jouer au jeu, mais. Et voilà, le truc c'est que je le rate. Et je prends des dégâts. C'est-à-dire que voilà, pour l'entertainment, je veux bien essayer de faire des trucs, mais. À un moment quoi, bon, après bon. Ah, j'ai l'impression que c'est plus de dégâts quand même quand je m'éloigne. Ah, j'ai l'impression que sa barre de vie elle prend quand même des gros fragments. Au secours, au secours, au secours. Ok, 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 ok. Parfait. Bon, en vrai, si, ouais, j'aurais pu bouger depuis le début, le fight serait peut-être déjà fini. On aurait peut-être gagné 30 secondes. Mais bon. S'il compte, hein, ces résultats. Hein. Allez! Il est temps que ça se termine, hein. Faut que ça cesse là. Oui, allez, c'est bon, là, on a compris, allez. Voilà, merci. Quelle vie. Alors, on développe quoi avec Azazel Delirium? Ah bon, c'est pas encore. Bon, attendez, on va quand même faire le. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse pas. On va quand même chercher Guppy. Bah, déjà, faut trouver les boss. Ça fait du dégât ça? Ouais, 0,13, laisse tomber. Ça, ça fait du dégât sur le nombre d'items un peu maléfiques qu'on a, mais il y en a une liste un peu précise, je sais pas. Non, mais laissez-moi tranquille. Je sais pas exactement laquelle c'est, du coup, je sais jamais
J'ai des bons items, mais bon, c'est minime. Hein. C'est genre 0,13 par. 0,13 par. Par objet ou un truc comme ça. Donc c'est pas dingue. Est-ce que je peux avoir des boss? Parce que là, je suis en train de full clear sans voir de boss alors qu'on est à Void. Bon, enfin, on a fait Delirium sub 25 minutes quand même. Cette fameuse salle. Bon, au moins, on s'en souviendra de cette salle. Au moins, cette salle, on se souviendra des erreurs passées. Oui, ok, il y a un boss là. Isaac. J'ai réussi à prendre un dégât, bravo. Hein. Tout ça pour activer Curse of the Tower, quel joueur. Et meurt, meurt, meurt. Putain, j'ai plus le temps de le tuer. Encore qui me drop l'item de Guppy. Hein. Grisgueulette. C'est pas censé me donner des HP, ça. C'est pas censé me donner un cœur en plus pour chaque 25 pièces que j'ai. Donc en l'occurrence 1, cœur en plus. D'accord. Bah, apparemment non. Ou alors il faut commencer à 0 pièce pour que ça marche. Je sais pas. Ça me l'avait pas. Oh, il y a une bombe, trop de bombe par contre là. Je rappelle que j'ai aussi 10 vies donc si jamais le. Ne soyez pas inquiet quoi. De toute façon c'est validé là. Ouais, ça là c'est validé de toute façon. La pioche de Minecraft. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ah, bah voilà, il y a des trucs là. Bonjour. Alors, fais-moi le malin que tout à l'heure là. Hein. Allez hop. Le mascarade maman. Waouh. Il est si beau. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Là, clairement, le build était incroyable, mais alors là, déjà, là, il prend une tournure encore mieux. Bon, on va pas être Guppy, je crois. Hein. Je crois que malheureusement, on va pas être Guppy. À moins qu'il reste des boss par là. Je crois qu'il n'y a plus de boss, là. Hein. Dommage. Il me reste une dernière chance d'avoir des boss. De toute façon, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4. Ah si, il y a celui qui est tout en haut, là-haut. Et après, bah, ce sera la fin. Hein. Ouais. Allez, dernier boss. Incroyable. Ce rond-là, il est toute beauté. En fait, j'ai pris la pioche de Nox, là, mais... De Nox, pas de Nox. Comment il s'appelle? De Notch. Pas de Minecraft, quoi. Mais... l'utiliser parce que tous les câbles de taille sont cassés déjà parce que j'ai même un méga donc c'est nul. Guiche, bah guiche un peu dans la sauce hein. Oh merde, allez Guppy. Et non, la bougie noire. Dommage, on pourra pas voir ce que ça fait Guppy. Mais je pense que ça aurait fait ouais, un paquet de mouches, mais pas très puissante, comme on disait tout à l'heure. C'est lequel Delirium? C'était là-bas? Willis, 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 Willis. Hop. Et hop. Et hop, bon bah voilà. Petite VOD. Ah, ça fait 40 minutes de run, de VOD quand même. Comment ça se fait qu'on était qu'à 28, il y a eu 12 minutes de pause. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi on est à 40 minutes de VOD? Bah, je ne sais pas. On a bloqué la couronne ténébreuse du prince. La mort au début. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait une run IPK au début, c'est vrai. Bien vu. Bon voilà YouTube, je te fais un petit point de là où on en est. On va pas parler de Gridior parce que Gridior c'est pour tous les persos qui le manquent. Donc pour Isaac, c'est bon. Magdalene, c'est bon. Cain, c'est bon. Judas, c'est bon.
Blue Baby c'est bon, Eve c'est bon, Samson c'est bon, Azazel c'est bon, Lazarus c'est bon, Eden c'est bon, Lilith c'est bon, il nous manque le boss rush avec Keeper, le boss rush avec Apollyon, et Mega Satan, Mega Satan pardon, et Forgotten. Voilà. Plus d'autres achievements machin, mais en termes d'achievements, on est à 334 sur 403, donc il en manque encore 70. Hein. Il en manque encore 70. Et en termes d'items, bah, on est quasiment complet, je pense. Hein. Il manque 2 là, 4-5 là, une petite dizaine ici, une dizaine là, une petite dizaine là. Bon, ça va le faire. YouTube, je te dis à la prochaine. Salut!